Bonsoir, messieurs. Bonsoir, mesdemoiselles. Applaudissez très fort pour moi, s'il vous plaît. Je me nomme Abéhombe, Atepao, Kima Tunde, Odende, Marie-Pierre, Paul, Rosalie. Je suis la seule candidate qui vient toujours après la levée des membres du jury. Parce que c'est sur vous que je compte pour gagner ici à San Pedro. L'émotion. Mes parents, en tout cas, j'ai confiance en ma beauté. Oui. Si je n'ai pas gagné dans les 11 étapes qui sont passées, c'est parce que je suis venu toujours en retard. Mais aujourd'hui, là, c'est la dernière étape. Et je me laisserai pas faire. Car je compte pour gagner ici ce soir. Car j'ai confiance en ma beauté. Je suis d'une beauté hors norme, hors gamme, hors paix, hors série, hors hiérarchie et hors réseau. Contrairement à mes camarades qui sont passés ici ce soir, moi, mon message, ça ne s'oriente pas dans le message de la réconciliation. C'est vrai que la réconciliation, c'est bien, mais à quoi bon d'avoir la paix si on n'a pas l'argent? C'est mon vrai frère. Aïe aïe aïe. C'est à quoi l'Élysée là aujourd'hui? Avant-hier là, aïe, il m'a envoyé de l'argent au Burkina. C'est ça, j'ai pris au pied de la FM maintenant, FM. Voilà, ça m'ouvre. J'ai de mon très cher Charles. Bonsoir Fanta, tu vas bien? Bisous. Mais je l'ai dit tantôt, je ne suis pas seul, il est là, mon grand frère Harry Conan Bédi. Est-ce qu'on peut l'applaudir? Tonton, tu viens? Je t'ai demandé de chercher de m'appeler tonton. Grand frère, tu sais, je vais t'appeler grand frère parce que bientôt c'est 2015. Tu as intérêt. Alors, après, tonton, tu attends ici, on va tous danser tout à l'heure. Ah, il est là, le chanteur Onel Mala. Est-ce qu'on peut l'applaudir, s'il vous plaît, Onel Mala? Les chants, s'ils m'aiment tant mieux. S'ils ne m'aiment pas, tant pis pour eux. Le plus important qui fait mon bonheur. Merci Onel Mala. Alors, avant très rapidement de vous jouer un bout donc, de la chanson de l'émergence, puisque là je sais que je suis à 1 minute 30 secondes, j'ai 3 minutes, on va faire un professionnel. Je vais vous demander très rapidement de faire du bruit pour Didier Bléau, s'il vous plaît. Didier, tu viens? Bonjour, vous êtes fatigué? Est-ce qu'on peut continuer? Public, il est là, le président de la République de Côte d'Ivoire. Est-ce qu'on peut encore le bassonner, s'il vous plaît? Merci beaucoup, Didier. Je pense que à ce rythme-là, le grand frère Paul Docuy, eh bien, il va un peu attendre encore, hein. Du moins, bon, on l'a déjà mis à la retraite.
Alors, je l'ai dit tantôt, Arafat a créé la Yoro Gang, commandant Moriba a créé la Mori Gang. J'espère que mon ministre Maurice Bandama est prêt à attendre d'abord. Après ça, maintenant, Arafat a envoyé ordinateur comme danseur. La CIA a coupé courant, l'ordinateur s'est grillé. Moi, j'ai décidé, après ça, maintenant, commandant Moriba, il a envoyé clavier. Les enfants ont tellement tapé sur les touches du clavier, on ne sait plus ce qui est AZERTY, ce qui est QWERTY. Moi, j'ai décidé d'envoyer Cyber pour donner connexion une heure. Momo Bandama, mets le son, c'est mon...